pendant quelques instants. Et au fur et à mesure, on va finir. On verra le dernier qui reste venu sur sa machine. Et c'est d'avoir la preuve qui fait pour le public, hein. C'est une belle démonstration de ces coureurs. C'est vrai qu'on est très vigilant là, Yvan. Hein. Et malheureusement, à ce sujet-là, il y a Sébastien Vichy, le coureur donc, qui avait réalisé un bon temps. Malheureusement, c'est pas trop son truc, Sébastien, apparemment. Hein. C'est pas sa tasse de thé. C'était une autre époque, il faut savoir ça, Sébastien. Et même maintenant, heureusement, c'est un peu de retour des époques, c'est bien parce que des fois, c'est un peu long, aujourd'hui, il va pouvoir reconnaître. Mais pour l'instant, c'est aussi un beau spectacle. Ah oui, c'est vrai. C'est bien de rappeler, même si on n'était pas là en plus qu'avec Manu, il est Vincent Bernot, l'année dernière, avait été un des premiers. Il est vite, il a fait des grands progrès, c'est tout. Voilà. Pour l'instant, il y a le coup. Ah, c'est compliqué. Julien Palma semble lui aussi commencer à avoir un petit grimace. Pour l'instant, il y a le coup, Julien. Se dit, pour mon retour ici, moi qui n'ai pas mis l'année dernière, mais je vais bien rester. Je vais tenir. Et ils vont, tu sais ce qu'ils attendent? Ils attendent les applaudissements du public! Regardez ce magnifique travail de ces coureurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression là! Le bloc des Miséros et François Berry pour l'instant, pas une grimace, pas un pli sur le visage, hein. Serein comme nous. Alors, malheureusement, Landerneau a claqué en progrès l'année prochaine. Dans les bons Mévin, on l'espère qu'on le reverra. Merci, bravo Mévin, applaudissements pour Mévin Landerneau, mesdames et messieurs. Malheureusement, c'est un coureur de 18 ans. Voilà, Julien Palma, je vous disais un petit peu un demi-heure qui m'envoie, il avait un petit sourire, on sentait que voilà, c'était l'histoire de lire, c'est un cachet plutôt de grimace, Manu. Allez, reste en course donc François Perry, Kevin Siro et Benjamin Etat. Ah bah il y a l'expérience, hein. On a un petit peu, on est dans la catégorie là, sur le truc qui est supérieur, et là ça vient, Benjamin Jean, François Berby et Kevin Siro, qui va rester dans cette nos limites Manu. Ah ça devient terrible pour les organismes. Allez, on continue à les applaudir. Merci, il faut vraiment tenir. Et mon ami Patrice qui est déjà de Brillant, il me dit que ça peut durer jusqu'à la part de Berry, pour ceux qui connaissent la part de Berry. Alors c'est dans une semaine, c'est pas vrai quand même. En fait c'est une petite blague, on est là pour rire également. Hein. Ah les gens de Château-Brillant, ils en ont pas vu une qu'on se fait remarquer, ça c'est aussi un peu. Allez, on salue nos amis du CD de la Thème Orientale. Et l'ami Manu qui commence ce soir avec moi. Merci Manu. Et on le voit, toi qui as mis la guitare, on a un beau spectacle quand même, car c'est compliqué, pour beaucoup de concentration, et pour la sorte, c'est bien jeu-là. Tu as une bière, il y a la même appartement, ce genre d'épreuve, donc c'est brillant, c'est le vélodrome, mais là c'est vraiment spectaculaire. Allez, un petit sourire, allez, allez pour la photo. Il n'y a plus besoin de tenir. Ça commence à être. La dernière fois, on a fait des chambées. On a déjà son vélo, je ne sais pas si c'est en place. Si, mais comme on a commencé à faire du vélo avec une route de chaque côté, là. Voilà. Allez, Pokémon ! Allez ! Ah, oh. Allez, tous les applaudissements du public, Benjamin Delain, avant de quitter. Hein. Benjamin Delain, 22 ans, le coureur né à Saint-Lô. Alors, François Perry ou Kevin Siron, qui représente chacun une équipe. Pour François Perry, l'équipe à pair, pour Kevin Siro, l'équipe pair qui va marquer les points, qui va permettre à l'issue des trois épreuves de prendre la tête du classement donc de ce trophée des sprinteurs. Voilà, François Perry pour l'instant maintient bien la paire. Kevin Siro semble bien à son aise aussi. Le duel est en train de se faire, mesdames, messieurs. Allez, encore des applaudissements! Avec les équipes de Siro qui avaient des champions de France des individuels en 2006, en 2008, en 2010, champion de France du terrible, champion de France par équipe en 2015, il y a des titres de champion du monde également. Lequel des deux va tenir entre François Berbis et Kevin Siro? Attention! Allez! Ça commence à devenir difficile. Lequel des deux? Alors, quels sont ceux qui sont pour François Berbis? Quels sont ceux qui sont pour Kevin Siro? Vous êtes à égalité pour l'instant, les coureurs sont à égalité également.
Alors, il faut savoir que Jean-Yves, on est bien d'accord, c'est limité à 10 minutes, c'est ça? Non, on va laisser courir. Allez, pour l'instant, tiens, quitte à lever le premier risque. Pour l'instant, on attend. Alors, c'est pas qu'on a envie d'en voir un craquer, hein, bien là, parce que bon, c'est vraiment un beau spectacle que nous font ces deux champions. Croyez-moi, ça demande beaucoup de maîtrise, de sérénité pour pouvoir gérer cet effort, car c'est un effort que nous disons pour l'instant, et bien montre-là toute leur classe, toute leur capacité à gérer ce genre d'événement avec le public. Et pour l'instant, bien difficile de savoir qui va craquer en premier. Et ça fait déjà plus de 5 minutes. Hein. Et je dis qui va craquer en premier, qui va craquer en dernier, surtout. Allez François. 6 minutes exactement. Merci Jean-Claude. 6 minutes. Comment ça les mains du côté chez François? Allez, le public, on va lui remonter le moral là quand même. Eh oui, Kevin Giroud, il va le sourire. Il doit se dire, je vais te tenir. C'est vrai que c'est compliqué pour François, lui qui est habitué à aller très vite, en très peu de temps. Là, ça fait 6 minutes qu'il n'a pas fait un centimètre pour ainsi dire. Kevin Giroud, donc, qui remporte le jeu de Bretagne Olympique. Eh bien, le public va tenir l'applaudissement. Il se salue, il se connaît parfaitement. Merci public, le public est debout. Il acclame François Pervis, il acclame Kevin Giroud. Allez, 6 minutes 29, 6 minutes 29 sur place. Bravo à Kevin Giroud avec le grand champion François qui avait plus que résisté.